Chers amis, le Seigneur et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue à ce moment de réflexion. Je demande à ce que la paix du Seigneur repose sur vous à travers cette méditation que nous allons avoir. Merci à vous d'être là et que le Seigneur vous garde. Notre sujet du jour, le guerrier majestueux. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour cette nouvelle leçon que tu nous donnes. Et merci du fait que ton esprit est là avec nous pour nous éclairer, nous aider dans notre étude. Donne-nous de nous soumettre à son influence afin que ta parole puisse avoir un effet positif sur nous et nous transforme à salut. Nous te remercions Jésus pour ta gloire. Amen. Pour commencer notre réflexion, je vous invite à lire avec moi le psaume 18, 3 à 18. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alléluia. Verset 5. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui. À ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient irrités. Il se levait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et descendit, et il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, lançant de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par sa menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Amen, amen, alléluia. Lisons maintenant le psaume 76, versets 3 à 9. Sa tente est à Salem, et sa demeure à Sion. C'est là qu'il a brisé les flèches, le bouclier, l'épée et les armes de guerre. Tu es majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Ils ont été dépouillés, ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils n'ont pas su se défendre, tous ces vaillants hommes. À ta menace, Dieu de Jacob, ils se sont endormis, cavaliers et chevaux. Tu es redoutable, ô toi, qui peut te résister quand ta colère éclate? Du haut des cieux, tu as proclamé la sentence. La terre effrayée s'est tenue tranquille. Lorsque Dieu s'est levé pour faire justice, pour sauver tous les malheureux de la terre, verset 12, il abat l'orgueil des princes. Il est redoutable au roi de la terre. Alléluia. Nous lisons maintenant également le psaume 144, 5 à 7. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Verset 7. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Alléluia. Que le Seigneur puisse bénir sa parole. Maintenant, deux questions. Comment l'Éternel est-il dépeint dans ces textes? Et que traduisent ces images sur la volonté de Dieu de délivrer son peuple? Tandis que vous réfléchissez à ces deux questions, je demande à ce que l'Esprit du Seigneur vous accompagne dans votre réflexion. Chers amis, ces hymnes louent l'Éternel pour sa grande puissance sur les forces du mal qui menacent son peuple. Il présente Dieu dans sa majesté comme guerrier et juge. L'image de Dieu en tant que guerrier est fréquente dans les psaumes et souligne la sévérité et l'urgence de sa réponse aux cris
et à la souffrance de son peuple. Le texte dit « L'Éternel tonna dans les cieux », ou encore « Le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu », ou encore « Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis », ou encore « Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute », ou encore « Les lits des eaux apparus », « Les fondements du monde furent découverts », ou encore « Par ta menace, ô Éternel », « Par le bruit du souffle de tes narines », alléluia. Donc la détermination et l'ampleur de l'action de Dieu devraient dissiper tout doute quant à sa grande attention et compassion pour les victimes ou quant à sa capacité à vaincre le mal. Nous devons simplement attendre qu'il le fasse, alléluia. En fin de compte, même lorsque les enfants de Dieu comme David étaient impliqués dans la guerre, la délivrance ne venait pas de moyens humains. Dans ses nombreuses batailles contre les ennemis du peuple de Dieu, le roi David louerait Dieu comme étant le seul à avoir remporté toutes les victoires. Alléluia. Il aurait été facile pour David de s'attribuer le mérite de ses nombreux succès et triomphes. Mais ce n'était pas son état d'esprit. Il connaissait la source de son pouvoir. Bien que David affirme que l'Éternel exerce ses mains à la guerre, il ne s'appuie nulle part dans les psaumes sur ses propres aptitudes au combat. Au contraire, l'Éternel combat pour lui et le délivre. Alléluia. Le psaume 18, 47 et 48, 49. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires. Tu me sauves de l'homme violent. Amen. Dans les psaumes, le roi David, qui était connu comme un guerrier accompli, assume son rôle de musicien habile et loue l'Éternel comme étant le seul libérateur et soutien de son peuple. Alléluia. Lisons le psaume 144, 10 à 15. Toi qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dix milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Verset 15. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Mes amis, plus puissante que n'importe quelle arme de guerre, la louange et la prière à l'Éternel sont les sources de la force de David. Amen, amen. Seul Dieu est digne de confiance et d'adoration. Amen, amen. Deux questions. Quels que soient les dons, les compétences et les succès que vous avez eus dans la vie, pourquoi devez-vous toujours vous souvenir de leur source? Et deuxièmement, quel est le danger auquel vous vous exposez si vous oubliez cette source? Que le Seigneur, dans sa sagesse et sa bonté, vous accompagne dans votre réflexion par son Esprit Saint. En conclusion, nous avons vu aujourd'hui que les hymnes louent l'Éternel pour sa grande puissance sur les forces du mal qui menacent son peuple. Il présente Dieu dans sa majesté comme guerrier et juge. L'image de Dieu en tant que guerrier souligne la sévérité et l'urgence de sa réponse aux cris et à la souffrance de son peuple. Dieu n'abandonnera jamais ses enfants. Amen. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, merci pour ce moment de réflexion. Merci de nous avoir révélé ta toute puissance et que c'est toi qui combats pour tes enfants. Donne-nous, notre Père, lorsque nous sommes devant une difficulté, que nous puissions t'invoquer et te donner ta place, la première place, afin que tu combats pour nous au nom de Jésus et que nous puissions vivre et demeurer dans ta victoire, car en Jésus, nous avons déjà la victoire sur toutes choses. Merci de faire grandir notre foi et que nous puissions vivre comme des vainqueurs au nom de Jésus. Bénis-nous, Père éternel, nous t'avons prié en Jésus. Amen.